Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre juste en dessous, dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti de cette année 2022 sur la chaîne, ainsi que des quelques petits changements potentiels qu'il va y avoir donc sur la chaîne. Mais avant du coup de vous dévoiler un petit peu tout ça, je tiens à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. De ne pas oublier non plus de liker la vidéo et ainsi de partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Et du coup, on y va, générique! Un petit peu donc de mon ressenti de cette année 2022 sur donc la chaîne. Alors par contre, je tiens à vous préciser un petit peu, je suis malade, j'ai terminé l'année 2022 malade et je commence l'année 2023 malade. Mais bon, ça, on va dire, c'est tous les ans, j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc je vais sûrement tousser à certains moments, ce qui va être énervant pour vous et pour moi. Donc du coup, mon ressenti donc pour cette année 2022. Donc comme je l'avais dit en 2021, mon objectif pour 2022, c'était de dépasser les 100 abonnés. Et au moment où la vidéo sortira, nous sommes à 170 abonnés. Donc l'objectif est largement atteint et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Si j'ai autant d'abonnés, parce que pour moi effectivement c'est avoir beaucoup d'abonnés, c'est vous qui partagez donc du coup cette magie, c'est vous qui partagez les vidéos, qui en entendez parler autour de vous, et franchement je vous remercie beaucoup beaucoup. Donc là c'est vrai que l'objectif, on va dire, pour cette année 2023, ce serait d'atteindre les 200, voire de dépasser les 200. Alors là, ce serait quelque chose de faramineux pour moi. Ce serait vraiment quelque chose d'inespéré pour moi. Néanmoins, j'espère que ça se fera quand même, parce que c'est vrai que ça fait toujours très plaisir quand j'ai un nouvel abonné. À chaque fois, je suis comme une gaga à chaque fois que j'ai un nouvel abonné. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien atteindre les 200 en cette fin d'année 2023. Donc, il y a 12 mois pour le faire. On peut le faire, je pense. Donc n'hésitez pas du coup à partager autour de vous la chaîne, histoire que la communauté puisse encore s'agrandir un petit peu plus. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne pour cette année 2023? Donc il va y avoir quand même un petit peu de changement. Donc comme vous avez pu le voir, le générique donc de début n'a pas changé pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je suis en pleine réflexion actuellement. Je pense que je vais juste changer en fait le titre à un moment donné de la chaîne qui apparaît donc sur le générique, parce que je trouve qu'il est en fait un petit peu trop gros. Je trouve qu'il gâche un petit peu le moment où le rhinocéros tourne sa tête pour se faire voir tout simplement. Donc je pense que je vais juste modifier ceci. Le reste du générique ne sera pas modifié parce qu'il me plaît, la musique me plaît, les images me plaisent. Mais il y a juste en fait le titre qui me plaît moins, j'ai vraiment plus de mal, donc il faut que je trouve quelque chose qui me plaît vraiment. Je pense que j'ai essayé de trouver quelque chose dans le caractère de l'écriture Disney. Je pense que ce serait bien mieux. Et peut-être ajouter quelques petits trucs. Je suis en pleine réflexion en fait sur le générique. Je sais que la base ne changera pas, mais il y a certains détails qui me titillent, qui vont changer, il y a certains détails qui vont peut-être pouvoir être ajoutés. Je suis en pleine réflexion là-dessus, je travaille beaucoup justement pour trouver un générique qui me plaît vraiment beaucoup. Donc il y a ça qui est en réflexion. Le générique de fin, quant à lui, change. En fait, je vais avoir donc, on n'aura plus en fait le passage de la vidéo en version floutée. On aura une image fixe de. Vous aurez une image fixe en fait donc des classiques ainsi que de Disneyland Paris. Et donc du coup, vous aurez
toujours le logo de la chaîne où vous pourriez vous abonner. Vous aurez également cette fois-ci deux petits encarts avec deux vidéos potentielles que vous pourriez regarder. Et je pense qu'il y aura aussi le petit logo pour aller sur ma page Instagram. Même si j'ai pas été trop active sur Instagram en 2022, je pense que là je vais reprendre quand même l'activité Instagram. La petite partie en fait de la vidéo de la semaine d'après qui apparaissait aussi sur les vidéos en 2022 n'aura plus lieu parce qu'en fait c'est énormément de travail. En fait, il faut, si vous voulez, moi c'est vrai que j'ai un planning histoire d'essayer de respecter au maximum les sorties vidéo. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, mon planning, il fallait que je le prenne à l'envers pour que vous puissiez avoir à chaque fois le petit passage en fait de la future vidéo à venir. Et du coup, ça prenait énormément de temps, du coup, parce que j'essayais de me dépêcher de faire les 4 voire 5 vidéos qui pouvaient sortir dans le mois en une semaine, on va dire. Donc, faire ça après de monter les vidéos, ne pas me tromper et tout ça, c'est vrai que ça faisait vraiment un boulot monstre et je pensais pas que ça allait être autant de travail. Et comme vous le savez, moi à côté, bah, j'ai mon travail de tous les jours, mais j'ai également ma vie de famille et c'est vrai que bah, ça prend une grosse partie de mes journées aussi, sachant que j'ai quand même 2 heures de route pour aller à mon boulot et 2 heures de route pour revenir. Donc ça me fait des journées à 9 heures au travail, on va dire. Après, il faut que je rentre, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse mon ménage, à manger, tout ça. Donc c'est vrai que du coup, ça me prenait vraiment énormément de temps. Quand j'étais sur mes jours de repos, bah, je faisais que ça, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Et c'est vrai que du coup, je faisais plus rien d'autre. Donc ce petit passage-là va s'arrêter. Comme ça, je pourrais prendre mes vidéos dans l'ordre de mon planning et ne pas être trop stressée à me dire que la vidéo va pas sortir ou des choses comme ça. Donc du coup, ça, c'est vrai que ça va disparaître. Il y aura aussi, alors ça, je vous préviendrai donc sur Instagram avant. C'est pour ça que je pense que je vais mettre le petit logo de Instagram dans le générique de fin. Il y aura des fois, je pense, dès lundi où j'aurai pas de vidéo qui va sortir parce que voilà, c'est vrai que l'année 2022 ça a été fatigant. Je vais être honnête avec vous, ça a été fatigant. J'ai quand même réussi à sortir des vidéos tous les lundis, mais c'était pas sans conséquence. J'ai dû quand même sacrifier bah, des moments familiaux pour pouvoir justement travailler sur les vidéos. J'ai des fois dû me coucher vraiment très très tard dans la nuit pour pouvoir faire mes vidéos, donc des fois ça allait jusqu'à des 2-3 heures du matin. Donc c'est vrai que mon corps ne se repose pas non plus spécialement. Mon bébé ne fait toujours pas ses nuits, il va avoir 2 ans, mais il ne fait toujours pas ses nuits, donc du coup je me lève encore en plus dans la nuit, donc mon corps ne se repose une fois de plus pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus envie de gâcher ma vie de famille, de gâcher ma santé non plus pour YouTube entre guillemets. Donc je ferai des vidéos, il y aura toujours des vidéos qui vont sortir bien évidemment parce que c'est une passion pour moi. Mais des fois, bah, ça sera peut-être pas le lundi qu'elle va sortir, ça sera peut-être le mardi, ça sera peut-être le jeudi, ça sera pas forcément à jour fixe, à heure fixe. Ce sera vraiment si je l'ai fini, je la sortirai. Si je ne l'ai pas fini, bah, ça ne sortira pas. Je continuerai de travailler dessus et je la sortirai quand elle sera finie. Parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que je me rends compte que c'est énormément de travail et moi, j'ai pas envie, enfin, j'ai plus envie de sacrifier des moments familiaux pour YouTube en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui risque de se produire dans cette année. Alors, il y aura toujours des vidéos qui vont sortir, ça c'est sûr. Hein. J'en ai quelques-unes en préparation. Hein. Je suis pas non plus. Enfin, je veux dire, je suis pas sans rien du jour au lendemain, si vous voulez, sur la chaîne. Mais il y aura peut-être. Normalement, j'ai 10 vidéos jusqu'au mois de mars. Donc, jusqu'au mois de mars, tous les lundis, il y aura une vidéo. Mais après,
si j'ai pas le temps de faire celle qui sortira le premier lundi d'avril, eh ben ça sortira le mardi ou le mercredi. C'est ça en fait que je veux vous dire, c'est que je vais pas non plus me stresser, voilà, c'est ça, je vais pas me stresser parce qu'une vidéo ne va pas sortir tel jour à telle heure en fait. Donc du coup ça c'est vrai que c'est quelque chose qui va changer sur la chaîne. Donc je vous préviendrai sur Instagram, bien évidemment, je vous préviens sur Instagram, ça c'est sûr et certain. Et voilà, il y aura aussi, donc comme je l'avais annoncé en 2022, donc vous aurez un haul tous les trimestres, donc ça fait 4 hauls par année, du moins pour cette année. Je vais le faire laisser pour cette année. Donc en fait, ce sera une vidéo qui aura plus, où je serai plusieurs tenues. Parce qu'en fait, à chaque fois que je ferai un achat, je le prendrai en vidéo, je ferai une vidéo comme ça, hop, je vous fais une vidéo pour 3 mois. Donc du coup, je risque de changer souvent de vêtements, de coiffure et tout ça. Mais du coup, en fait, là, j'ai commencé donc le premier format qui sortira donc au mois de mars. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir si le format me plaît. Si le format me plaît, je resterai comme ça jusqu'à la fin de l'année. Si le format ne me plaît pas, bon bah je modifierai des trucs, hein, ça c'est sûr. Donc il y aura ça. Ensuite, il y aura toujours des vidéos sur les 5 classiques que je kiffe. Il y aura toujours des critiques sur les films d'animation qui sortiront. D'ailleurs, là, ce mois-ci, vous aurez la critique sur Avalonia qui va sortir, que j'ai vu donc sur Disney+ le 23 décembre. Et puis il y aura, alors normalement il y aura toujours des vlogs à Disneyland Paris. J'avais pas renouvelé mon pass au mois de septembre l'année passée, mais je pense que là cette année je vais le renouveler peut-être là au mois de janvier. Je pense le renouveler parce que ça me manque. Donc c'est vrai que là j'avais été pour la saison d'Halloween. Et la saison de Noël, donc j'en avais plus de passe. Pardon, j'avais plus de passe, donc j'avais acheté des billets sur mon CE, pardon. Et du coup, j'étais partie comme ça avec des billets de mon CE. Mais le passe me manque. C'est vrai que malgré tout, le passe annuel a quand même certains avantages. C'est que t'es pas obligé de faire la queue en dessous du Disneyland Hotel. Tu peux passer sur le côté. La ligne qui est dédiée au pass annuel, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que malgré tout, les pourcentages dans les boutiques et dans les restaurants, tu le ressens quand même un peu malgré tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que je vais me le reprendre parce que malgré tout, c'est vrai que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais néanmoins, c'est vrai que les peu d'avantages que tu as dessus, ils servent quand même pas mal. Donc, du coup, je pense que je vais vraiment le reprendre. Normalement, cette année aussi, il est prévu pour la saison d'Halloween, donc on a le temps, mais il est prévu pour la saison d'Halloween que je fasse donc le 31 octobre à Disneyland Paris. Donc ça va être prévu avec des collègues. Du coup, normalement, donc il y aura une vidéo donc sur la soirée Halloween, mais il y aura également une vidéo. D'une des chambres, alors je me rappelle plus c'est quoi les chambres, c'est des gens qui ont fait des chambres décorées sur le thème des différents lands de Disneyland Paris. Normalement, on prendrait une de ces chambres là aussi. Donc, normalement, il y aurait peut-être une vidéo là-dessus aussi qui sortira. Donc, voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noël, bon, normalement, j'y serai aussi, mais je pense que. Ce sera un enchaînement avec Halloween et Noël. Je ne pense pas que j'irai pour le 24 décembre ou le 31 décembre parce que je préfère faire ça en famille. Mais j'irai aussi pour la saison de Noël. J'irai normalement aussi faire un séjour cet été parce que c'est vrai que j'aimerais visiter un autre hôtel que celui que j'avais fait il y a longtemps, en 2018, j'avais fait le Davy Crockett et c'est vrai que j'aimerais bien faire soit le Sequoia, soit le Santa Fe. Donc normalement c'est prévu que je fasse un petit séjour
cet été dans un des hôtels Disneyland Paris. Et puis voilà, je pense que c'est tous les projets que j'avais, enfin les projets que j'ai prévus pour cette année à Disneyland Paris. Normalement, c'est bon. Il y aura bien sûr des vidéos qui sortiront pas tous les mois parce que je vais pas y aller tous les mois non plus. Mais je vais essayer au moins d'y aller une fois par trimestre. C'est comme les halls. Je vais essayer d'y aller au moins une fois par trimestre, histoire de vous faire quelques petites vidéos de Disneyland Paris. Histoire de voir aussi les petits changements. Histoire de continuer peut-être à faire aussi l'anniversaire de Disneyland Paris. Enfin, plein de choses. J'aimerais bien essayer de retourner à Disneyland Paris au moins une fois par trimestre. Ce serait très très bien. Et voilà, donc l'avenir sur la chaîne, il y avait ça. Après, voilà, donc je pense que je vous ai dit le gros du gros. Ça se trouve, il y aura peut-être des petits extras, hein, bien évidemment. Je ne sais pas encore, c'est quelque chose que je réfléchis toujours à côté, on va dire. Donc, du coup, je pense que là, je vous ai dit vraiment le gros du gros. Et je vois que la vidéo là fait 16 minutes. Bon, au montage, ça fera pas 16 minutes, hein, ça c'est sûr, parce que je vais couper plein de choses. Mais du coup, je pense que là, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai dit le plus gros. Je pense. J'ai peut-être dû oublier des trucs. Mais ça, c'est la vieillesse qui fait ça. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser avec cette phrase de fin. Donc, c'est la vieillesse qui veut ça. Et donc du coup, là, je vais vous souhaiter donc une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023 avec tous les souhaits que vous aurez envie de faire. Et puis, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao!